Un vent d'espoir souffle à Gaza après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un plan visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Bien que les différentes parties l'ont accepté de facto, à Gaza, plusieurs s'inquiètent de la mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Nous espérons que cette décision sera respectée par toutes les parties. Bien qu'il y ait eu plusieurs tentatives de cesser le feu, nous souhaitons que celle-ci soit effectivement mise en œuvre par tous, sans opposition. Nous espérons pouvoir revenir à Gaza. Cela suffit, nous sommes épuisés. La situation est indescriptible. La guerre doit cesser. Nos enfants ont été tués et nous n'avons pas vu nos familles, nos neveux, nos frères, les personnes qui nous étaient si chères. Ils sont tous partis. Il ne nous reste plus que Dieu. La résolution adoptée lundi par 14 des 15 membres du Conseil de sécurité propose un plan de paix en trois étapes, à savoir la cessation des hostilités, le retour des otages et enfin la reconstruction de Gaza.